Philippe Pierrier, le nouveau patron du Haras Cercy, nous présente Policy Maker. Alors, pas mal de choses à dire sur ce Policy Maker, un film de Sartre Wells. Voilà, cheval distingué et élégant. Cheval de course robuste, solide, calme. Près d'un million d'euros de gain que ce cheval de course, que ce cousin de peintre célèbre, dont on se rappelle qu'il avait été peintre célèbre, sacré champion du monde à l'issue de sa campagne 97. Couronné par ses envolées dans le prix du Jockey Club et le prix de l'Arc de Triomphe. Lui-même, Policy Maker, a réussi une carrière de course tout à fait exceptionnelle, puisque même s'il n'a pas gagné groupe 1, il a été deux fois deuxième du Grand Prix de Saint-Cloud. Une fois, il a battu Bago, d'ailleurs un gagnant de l'Arc de Triomphe dans ce Grand Prix de Saint-Cloud. Il a remporté 4 courses de niveau groupe 2, à deux reprises le Grand Prix de Chantilly, le prix Foix et également le Grand Prix de Deauville. Il a également terminé 4e de la Japan Cup. Alors, Policy Maker, en tant qu'étalon, a marqué les esprits, car on pouvait attendre de ce cheval qui produise des sujets tardifs, respectant un peu l'image des étalons de France Arabe. Il y a des chevaux plus orientés sur la distance, plus orientés sur l'obstacle. Et pour autant, dès sa première génération, il a sorti une gagnante de groupe 2, c'est-à-dire de liste à 2 ans à Lyon, Paul Arena. Et non pendant ça, il a donné aussi un certain nombre de bons vainqueurs. Jolie Bérangère gagnante à Saint-Cloud. Et en obstacle, Star Maker gagnant à Anguin. Et aussi un gagnant à Auteuil. C'est très important, c'est très symbolique. C'est-à-dire Vamaker de l'écu. Voici pour Policy Maker qui fera la montre en 2013 au Haras de Cercy.